C'est une ambiance très, très, très chaleureuse. Les gens, quand ça rentre, bonjour, bonjour, des bisous, le monde se promène, c'est toujours de bonne humeur. C'est des gens de cœur qu'on a. C'est vraiment des gens de cœur. C'est une grosse famille. À un moment donné, Cathy Lavigne chantait dans un bar ici à Montmagny, puis il disait que le western n'attirait pas. Fait que j'ai mis au défi, j'ai dit, on va essayer un petit festival dans le bar, puis on va voir si ça va répondre. Ça allait très bien répondu. Ça fait que l'année d'après, on s'est envenu ici, puis depuis ce temps-là, ça croît, ça croît, ça fait que grossir. Musicalement, c'est tous des artistes country, western, des deux qui passent à la télé, Danny Darache, Cathy Lavigne, des gros noms connus. On fait faire des découvertes aussi pour que le public soit capable de... d'entendre des nouvelles voix, ça prend de la relève. C'est un public qui embarque, c'est un public qui vient de très loin. J'ai des personnes des États-Unis, de la Floride, des Laurentides, de la Basse-Côte-Nord, de la Guadeloupe. J'en ai de partout, l'Outaouais. Ces personnes-là adorent cette méthode de vie-là, les festivals. Fait qu'ils partent de très loin pour une fin de semaine. Il faut avoir ça dans le cœur. Ça se comptoie souvent. On peut passer, puis le monde va dire, viens prendre une petite bière, on joue une petite toune de guitare, ils sont tous installés en attendant que les shows commencent. C'est vraiment très, très, très chaleureux. Puis si quelqu'un arrive tout seul, ils vont se faire des amis, inquiétez-vous pas. Même le curé tape du pied pour la messe du dimanche. Ça, c'est bon. Il faudrait que je parle au maire pour ramener le festival au Lac-Saint-Charles. Parce qu'on s'entend que ça prend de la place pour mettre un festival. Je peux pas mettre ça à la salle pour les 1000 beaux lieux. Fait que si ils sont capables de me trouver un petit coin bien accessible, il n'y a pas de problème, n'importe quand. C'est sûr que je vais en faire un dans le coin de chez nous. On tape des mains, la gang! C'est toujours un party. Tu mets du cœur dans les fêtes, ça le fait tourner la tête. Une bonne bouteille de vin. Des chums, des amis, des chums avec une bonne bouteille de vin. Une bonne bouteille de vin. Des chums, des amis, des femmes avec une bonne bouteille de vin. Oh yeah! Pour te jeter à terre. Une bonne, toujours du fun. Une bonne bouteille de vin. Une bonne bouteille de vin. Des chums, des amis, des chums avec une bonne bouteille de vin. C'est à vous, une bonne. On lâche pas. Yes, sir.
Ah ben moi j'aime les guitares, yeah. J'aime les paroles, j'aime les histoires. J'aime beaucoup la façon qu'une chanson country est montée puis quand elle vient te toucher. Là, j'aime beaucoup ça. C'est ce que j'aime du country. C'est des chansons vraies. C'est souvent des histoires de gens pauvres. Ça peut être gens riches. On est tous sur le même pied dans le country. Premièrement, je suis très heureux d'être ici. C'est un honneur d'être ici. Invité par mes amis Lynn et Cathy, que je côtoie depuis quelques années. Et ça fait la deuxième année que je suis ici. J'aime beaucoup. C'est l'ambiance. C'est une belle ambiance. C'est presque familial. On retrouve les mêmes gens année après année. C'est vraiment le fun. Le festival ici à Montmagny, écoute, c'est les deux filles qui organisent ça, Cathy Levigne et Lynn Lemaire. C'est deux chums à moi, c'est deux grandes chums à moi. Puis j'ai commencé avec eux autres au début de tout. Puis à un moment donné, j'ai dit aux filles, persistez à continuer votre festival. À un moment donné, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir quelque chose qui... Puis aujourd'hui, bien, cette année, en 2016, c'est un grand succès. Un grand succès doublement plus que l'année passée encore. Fait que ça grossit d'année en année. Puis je suis contente qu'ils ont persisté à continuer parce que ça va faire un beau festival pour la ville de Montmagny. Puis les gens aiment le country. Dans la région, là, c'est country partout en région, ce qu'on va. Écoute, ça fait 40 ans que moi, je chante. Ça fait 50 ans que ma mère chante. Et Paul, plus que ça encore. Fait qu'on est au-dessus de 100, 150 ans de carrière à la gang ensemble. Moi, écoute, j'ai tombé dedans quand j'étais jeune. J'ai tombé dedans chez nous, ma mère, elle faisait ça. Moi, j'avais à peu près... j'allais à l'école, j'avais 10-12 ans, puis moi, le country, ça a tourné à tour de bras chez nous. C'était les Paul Brunel, Marcel Martel, Wally Lamotte. J'ai été élevée là-dedans. Puis c'est de génération en génération chez nous. Puis j'ai travaillé avec ces grands-là aussi. J'ai eu l'occasion, je suis une des dernières générations qui a eu l'occasion de travailler avec les Marcel Martel, les Paul Brunel, puis c'est eux autres qui ont tracé notre route. Puis aujourd'hui, bien, nous autres, on trace la route.
de ceux-là qui la relève qui s'en vient en arrière de nous autres. Parce qu'il y a une belle relève au Québec. J'ai manqué le mendigo. Autant de cambo, il parle disco. Et puis je m'en vais faire de dos. Ma maladie, hey, yeah, yeah. Moi je parle au cajun, sans juste en anglais. Parmi les Américains, j'ai manqué le mendigo. Autant de cambo, il parle disco. Et puis je m'en vais faire. Musical, ben je te dirais que j'ai une grande palette de couleurs parce que autant que je peux avoir j'ai un côté dynamique sur scène, autant que je suis un gars que je chante beaucoup l'amour, j'en parle, regarde, j'en ai même des frissons présentement. Je suis un gars de balade, j'aime aller chercher le cœur des gens. La raison pour laquelle que je fais de la scène, c'est vraiment pour aller chercher le cœur des gens, puis aller partager aussi mon amour que j'ai pour la musique. Puis en même temps, on crée des bons contacts, puis on s'amuse tout en travaillant. Pour le festival, ben je suis impliqué au niveau de l'animation. Aujourd'hui, c'est moi qui anime. Demain, j'ai la direction du bar. C'est moi qui gère le bar. C'est moi qui s'occupe des inventaires, tout ça. Donc, on est comme... c'est familial. On est moi et Cathy, l'instigatrice du festival. C'est ma cousine. Fait que c'est une histoire de famille. On a du plaisir, on s'amuse.
On a un public extraordinaire. Écoute, moi, cet été, j'avais plusieurs festivals. J'en ai fait 39 dans mon été. Fait que je vois beaucoup de gens qui sont ici dans la salle, que j'ai retrouvés à plusieurs reprises durant mon été. Un public de roulottes, des gens qui trippent sur le camping, des gens qui trippent de vivre en communauté, sont tous cordés un à l'autre. Ça s'entraide, ça prend un petit drink l'après-midi, ça fait à manger, ça se promène avec les plateaux. C'est vraiment, je te dirais, c'est vraiment un esprit de famille. Aussitôt que j'ai commencé, j'ai développé ça. J'ai été très proche de mon monde, très proche du public. Je les insérais dans mon spectacle, si on veut. Aujourd'hui, on arrive ici et puis les gens savent comment ça va se passer. Ils savent comment ça va finir. Ils savent que le show va être différent. Je fais beaucoup de spectacles par année puis ils sont jamais pareils. Il n'y a jamais rien de pareil. Il y a des chansons qui reviennent, c'est sûr, mais ne sont jamais présentées de la même façon. Puis... Non, le monde, il embarque beaucoup, puis je mets beaucoup d'emphase sur ça, parce que c'est un marché qui est un peu, si on veut, on est un petit peu en arrière-scène ici au Québec, et puis on réussit là, à avoir énormément de plaisir, puis on réussit à avoir des gens partout. Donc, nous autres, ce qu'on veut, c'est les garder depuis longtemps, fait qu'on essaie de leur donner le... En tout cas, dans mon cas, j'essaie de leur donner plus d'énergie possible quand ils repartent. Bien, le festival ici, ça fait, je crois, 3 ans que je viens ici. Puis il est en grandissant, ça va très bien, puis je suis très fier d'eux autres. Je trouve qu'ils ont fait un bon travail, puis plus ça va, plus ça monte. Tous les festivals country au Québec cette année ont été en hausse de beaucoup. Donc on est très contents partout en overall, là, ça a été super. Et ici aussi à Montmagny aujourd'hui, donc très fier de faire partie de l'édition de cette année. T'sais, les musiciens, c'est comme notre famille, ils sont aussi proches de nous que nos propres parents parfois.
parce qu'on est plus souvent ensemble qu'on est avec notre famille, là, ou presque. Donc, pour nous autres, pour moi, les musiciens, c'est des gens extrêmement importants. Je pense que c'est les plus importants, les plus négligés, malheureusement. Half somewhere the music's playing soft and low, and another whole one that I love so. I was blind, I could not see that you mean the world to me, but like a fool I stood there and watched you go. Monsieur Ricky Skaggs, mesdames et messieurs. Moi, je fais des chansons country français. Et dans ma famille, en moi, on est tous des chanteurs. J'ai grandi avec ça dans ma vie. La cousine de ma mère, c'est René Martel. J'ai grandi avec des chansons de Paul Darin. J'ai grandi avec Joël Bizier. J'ai grandi avec, justement, comme je le disais tantôt, René Martel, Patrick Normand. C'est toutes des affaires qui font que, veux, veux pas, j'ai grandi comme ça et j'aime le country. Pour moi, c'est une passion, c'est un rêve. Et aujourd'hui, je suis dedans et je suis fier d'être là-dedans. C'est comme là, moi, j'aime bien rendre service et aider, surtout avec Lynn. C'est une très bonne amie aussi. Et Cathy, une très bonne guitariste. On l'appelle toute Guitar Woman, super bonne. Et puis, moi, je suis là pour donner un bon coup de main. Moi et ma conjointe, je fais soit aller chercher des choses qui ont besoin ou du matériel qui est pas là, qu'il faut que tu sois là, alors je vais le chercher. Je m'occupe un peu aussi des gens, leurs bracelets, pour voir que tout fonctionne bien. Ça fait la deuxième année consécutive que je suis ici. Et c'est un très, mais un très bon festival. Lynn a assez jusqu'à s'en va. C'est vraiment de plus en plus, ça prend de l'ampleur comme pas possible. Et j'espère que ça va continuer encore comme ça. Quand c'est calme, les horizons, on peut même entendre ça. Laisse-donc tomber tout de suite la côte et virer bord au bout du chemin. On patiente à nos démoulins, parents, le père, sirois, notre bon curé. De temps en temps, des années comme ça, elle ça se prend mal. Quand c'est calme, vivant et d'or, on peut même entendre le train. Laisse-donc tomber tout de suite la côte et virer bord au bout du chemin. On patiente à nos démoulins, parents,
dans un temps des années comme ça, ouais, ça se comprend. Des étoiles, des satellites, je dirais comme un fort. Et y'a sûrement des mondes à Chelfort qui partagent de quoi. J'suis loin de la ville, ben proche du bois. Quand c'est calme, il vent est dans le beau, on peut même entendre le train. Laisse donc tomber, tu t'es très fort, et vite bord au bout du chemin. On passionne dans nos deux moulins, parole, mais si loin. C'est vrai qu'on est bien installé sur notre moitié de terre. En arrière, j'ai mon petit ruisseau qui coule mais mon hiver. Ces choses-là qui m'ont fait rêver, y en va coûter cher. Je souhaite pas ces années-là. Quand c'est quand vivant et dans le beau, on peut même entendre le train. Tomber tout de suite à côté de le bord au bout du chemin. En passant dans nos deux moulins, parole bien sur moi, le bon curé. Dans un temps, des années comme ça, ouais, ça se prend. Merci! Sur scène, je fais des chansons que moi je compose. Je fais les paroles, je fais la musique. Donc, je joue avec les émotions. Je fais beaucoup de chansons qui font pleurer aussi. C'est pour faire vivre les émotions après ma barre, je pense que c'est important. Puis c'est ça, je fais mes chansons à moi. Mes inspirations, c'est des chansons un peu comme Brad Paisley, du côté américain. J'ai beaucoup de chanteurs américains, Alan Jackson, que j'écoute beaucoup, que je chante beaucoup aussi. Mais c'est sûr que j'essaie de me spécialiser dans ma musique à moi. Tu sais, moi, quand, de mon côté, quand je dis que j'aime les gens, c'est vrai que je les aime. Tu sais, j'ai pas peur d'aller les voir dans la foule, puis leur serrer la pince, puis... De leur dire que je les aime, puis merci d'être là pour moi, puis pour les autres chanteurs aussi. Puis c'est ça, dans le fond, c'est le fait que ça, le country au Québec, c'est comme une grosse famille. L'ambiance à Montmagny, c'est un petit peu différent des autres places que j'ai fait. Ici, c'est la première fois que je faisais le festival. C'est vraiment un party. C'est complètement un party. Il faut s'en venir ici avec l'idée que c'est have fun, puis... On saute dans les airs puis on s'amuse. Là. C'est vraiment la joie de la musique country. Un bon pas me toucher à ma Gaspésie. On a bûché trop dur pour ce qu'on a. À ma Gaspésie. Pour gagner notre pain, on a les pieds marins. Le lautine de Gaspésien. Mais touche pas à ma maison. Touche pas à mes amis. Touche pas à ma femme ni mes enfants. Touche pas à mon style de vie. Le Gaspésien jusque dans l'ombre et jusqu'au paradis. La pêche au crabe, des gros morts, un vrai sac à surprise. Mais bon, bon, toucher à ma Gaspésie. On a bûché trop dur pour ce qu'on a. Mais bon, bon, à ma Gaspésie. Pour gagner notre pain, on a le pied marin. Le la routine, le Gaspésien.
ne vont pas toucher à ma Gaspésie. On a bûché trop dur pour ce qu'on a, ne vont pas toucher à ma Gaspésie. Pour gagner notre pain, on a le pied marin, l'eau, la routine, le Gaspésien. Mais touche pas à nos écoles, touche pas à nos églises ou nos terres agricoles, touche pas à nos entreprises, nos forêts et nos lacs. J'ai caché mon chèque. Mais quand j'ai vu une scène, c'est là que je noyais ma peine dans grosse caisse de 24. Mais va pas toucher à ma Gaspésie. On a bûché trop dur pour ce qu'on a. Mais va pas toucher à ma Gaspésie. Pour gagner notre pain, on a le pied marin, de la routine de Gaspésien. Pour gagner notre pain, on a le pied marin, moi j'ai le cœur de Gaspésien. Notre style de musique, bien, c'est sûr qu'on est dans le country français. On n'est pas très anglophone. Côté spectacle, bien, écoute, on essaye de toujours chanter. On a 5 albums à notre actif. Donc, il faut vendre notre produit aussi. Donc, on essaye toujours dans nos spectacles de faire des chansons qu'on a en disque pour la plupart du temps. On a des compositions. Et puis, on a des covers, comme on dit, des chansons qu'on a reprises de d'autres personnes, qu'on peut retrouver soit dans nos spectacles, sur nos albums aussi, il y en a quelques-unes. Particularité ici de Montmagny, nous, c'est la deuxième fois qu'on vient ici en spectacle, et je sais que c'est la 4e édition. Ça va très bien, c'est sûr que dans le côté du monde des festivals, ça augmente toujours d'année en année. Donc, ici, bien, ça a été un lien d'amitié qu'on a eu avec les deux promoteurs. C'est toujours plaisant quand on se retrouve une gang d'amis dans un festival. Et ici, la particularité que je dirais à Montmagny, bien, c'est intérieur. Hein. C'est, y a un grand stationnement, donc il y a de l'espace. À l'intérieur, bien, qu'il mouille ou qu'il fasse froid n'importe quel temps, bien, on est à l'intérieur. Donc, tout est pour le mieux, là. Everybody's going out and having fun. Just a fool for staying home and having none. I can't get over how he set me free. Oh, lonesome me. My mistake can make him bad just to hang around. I know that I should have some. Thank you.
Alors, j'ai la chance avec mon père d'avoir une émission depuis 17 ans à Cogeco TV. Il s'appelle Chanson Via Country. Et c'est ça. Je fais de la musique, je me promène partout à travers les festivals en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick. On a beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai commencé à chanter country américain. J'étais au Québec, mais moi, ce que j'aimais, c'était le country américain. Et mon père et Albert Babin, un chanteur très connu dans le country, qu'on a malheureusement perdu cette année, me disait toujours, « Pat, faut que tu fasses du français. On est au Québec. » Mais moi, c'était l'anglais. Alors, ça a pris quelques années avant que je me décide à faire du français. J'ai commencé à faire du français à cause de mes amis Bourbon-Gautier, Paul Darage, Jean-Louis. J'aimais beaucoup leur écriture. Alors, avec la collaboration de ces auteurs, j'ai commencé à faire du français. Puis là, ben, je mélange. Je fais du country américain, je fais du français et je fais mes propres chansons. De temps en temps, je rentre un petit Merle Haggard parce que j'aime ça. Et je viens de là aussi, de Marcel Martel et tout ça. Mais c'est mes chansons à moi que je présente la plupart du temps. C'est la deuxième année que je viens. Il y a 2 ans, j'étais venue et c'était pas à cet endroit. Alors, je pensais qu'il y aurait comme 150 personnes. Alors, quand je suis arrivée, que j'ai vu les motorisés partout, là, wow! Le country est en forme, en tabarouette. Le country va bien, fait que je suis très contente d'être ici à Montmagny. Un gros merci aux organisateurs, Lynn et Cathy, de m'avoir invitée encore une fois. Puis longue vie au country ici à Montmagny. Hey, tout le monde, s'il vous plaît!
Moi, je suis guitariste, je suis chanteuse country western. Je fais ça depuis que je suis haute comme trois pommes, comme on dirait par chez nous. Là. C'est une passion épouvantable. J'ai ça dans l'âme, la musique western. Ma passion, elle vient de ma mère. Ma mère, c'est elle qui m'a montré, chère. Ça fait que depuis l'âge de 4 ans, puis j'ai jamais lâché. Faut toujours continuer. Qu'est-ce qu'on aime, hein? Je travaillais dans un bar à Montmagny, puis c'est ça qui est venu l'idée de faire un festival ici à Montmagny. Parce que Lynn, elle a essayé au bar, puis ça a donné ça énormément. Puis elle a travaillé une machine de shot. C'est beau, Montmagny. C'est ça qui nous a attirés ici, de faire le festival Western. Les gens embarquent, ils n'ont pas le choix avec moi. Là. Moi, là, je suis une Gaspésienne 100% pure laine. Et puis, m'a dit, comme on dit par chez nous, on brasse la cabane. Il faut brasser ça. C'est un festival Western Country. C'est fait pour s'amuser. T'sais. On vient ici pour s'amuser. C'est une belle ambiance. Là. Le monde, là, c'est familial, tu sais. Ça se connaît tout. Ou si ça se connaît pas, ben on s'organise pour qu'on se connaît tout. Là. C'est party. C'est le party time du jeudi au dimanche. C'est une belle place, Lac Saint-Charles. Le monde connaît ça. Parce que moi, je fais régulièrement des soirées au Lac Saint-Charles, à la salle Paul-Émile Beaulieu. Je fais des lancements tout le temps là. Puis c'est une place campagne. Ça fait qu'il y a beaucoup de country western dans ce coin-là. Mais ce qui est de valeur, c'est que le monde est gêné un peu hein, d'écouter la musique western. Ça fait qu'il faut qu'ils se dégênent de ça, là, parce que ça en vient de plus en plus populaire. Le monde devient moins gêné. Mais faut pas. Le lac Saint-Charles, c'est beau. Mais ça serait une place country, ça. Ça serait une idée de faire quelque chose par là. Moi, quand je fais des veillées au lac Saint-Charles, c'est toujours, toujours plein. Ça fait que on essaie de. On aimerait ça, moi et Lynn, faire quelque chose au lac Saint-Charles côté country western. Je suis sûr que ça fonctionnerait. Ça prend de l'aide, tu sais, c'est pas évident. Hein? Le soleil vient me dire à la fenêtre, viens me voir, j'ai apporté la chaleur. Le beau temps va apaiser tes problèmes et remettre la joie dans ton cœur. Les oiseaux se rassemblent pour l'automne, font leur danse au-dessus des champs de blé. Dans leur chant, on croirait presque entendre la tristesse de voir s'envoler l'été. Le soleil vient me dire à la fenêtre, viens me voir, j'ai apporté la chaleur. Le beau temps va apaiser tes problèmes et remettre la joie dans ton cœur. S'allonger les ombres, peu à peu on voit les arbres changer. Bien avant que la dernière feuille ne tombe, le long hiver sera déjà arrivé. Le soleil vient me dire à la fenêtre, viens me voir, j'ai apporté la chaleur. Le bon temps va apaiser tes problèmes et remettre la joie dans ton cœur. Et remettre la joie dans ton cœur.
Merci beaucoup. J'ai pas vient temps. Franchement, c'était un mot juste de beau festival. C'est la première fois que je viens, moi, cette année, là. Puis j'ai trouvé ça que c'est vraiment chaleureux ici. Maëline puis Cathy, en partant déjà là, sont vraiment chaleureuses, eux autres, avec. Ils sont sympathiques. Tu peux pas manquer ton coup, t'en es ici, là. Ah, des bons musiciens aussi. Je suis bien content, mon chum, t'as pris tant de venir me voir. Il y a longtemps déjà, on se voyait à tous les soirs. Ça fait plaisir, mon gars, t'as pas idée comment. Il y a 15 ans déjà que je fais des événements, c'est la première fois que je te vois là. Oui, donc juste si t'as aimé ça. Commencez modestement. J'avais pas trop d'argent et un vieux escorpin. J'avais pas trop de belles dents. Là, je vous souris tout semblant. Hé, hé, merci la vie. La musique country, c'est toute ma vie. C'est la musique d'hier et celle d'aujourd'hui. Nos grands-parents l'aimaient aussi. Sauf qu'on est ici aujourd'hui. Originaire du New Brunswick. Je pensais que c'était de Saint-Quentin, mais en fait c'est de Kedgwick. Non, même plus d'où c'est que vient toute cette musique. Au son de la rythmique, c'est magique, d'irangélique. Tous les frissons qui me passent dans le corps quand je chante dans les bars, c'est magnifique, la chance que j'ai. Oui, je sais, mes amis, j'en suis conscient aujourd'hui. Merci à vous, merci à qui, merci à toi. Merci la vie. Et là, un soir pour venir me voir, j'espère que tu vas te plaire dans mon univers. C'est là que je suis bien, tu peux bien voir. Je prends ma guitare, je gratte, puis va de la galère. Originaire du New Brunswick. Je pensais que j'étais de Saint-Quentin, et en fait c'est de Kedgwick. En même plus de c'est que bien toute cette musique qui fait tourner la tête au son de la rythmique. C'est magique, tyrangélique. Tous les frissons qui me passent dans le corps quand je chante dans les bars. C'est magnifique, la chance que j'ai. Je sais, mes amis, j'en suis conscient aujourd'hui. Merci à vous, merci à qui, merci à toi, merci la vie. Oh ouais, merci la vie, hein. Pensez-y le matin en vous levant, faut me remercier la vie. C'est très important, elle est là pour nous. Ma passion pour le country, c'est tout simple. Ça a commencé avec ma mère, qui chantait déjà de la musique country, qui était auteur-compositeur, mais que j'ai comme un peu plus trouvé ma couleur, mon style à moi. Ça a commencé avec du Garth Brooks, Shania Twain. Je suis là depuis le début au Festival de Montmagny. Pour moi, Aline et Cathy, c'est de bonnes amies. Deux grandes passionnées. Qui travaille fort, qui va essayer de faire la différence et ils réussissent très bien. On a bien du plaisir, c'est sûr que c'est toute une organisation, on aime ça. Et on est équipés pour veiller tard. C'est un gros réseau, la musique country. C'est pas pour rien que c'est le meilleur vendeur au monde.
Mais ici, là, le Festival de Montmagny, bien, c'est ceux qui sont très adeptes de musique québécoise, francophone. Il y a des bons auteurs-compositeurs. Mais bon, on est là pour écouter un spectacle et il y en a bien, qui en profitent pour danser. J'invite les gens à venir au festival découvrir ce beau mode de vie-là, la chaleur qui règne. Puis je suis certaine, même s'ils écoutent du gros rock ou n'importe quelle musique, avec les gens de cœur qui ont ici, ils vont en revenir à toutes les années. Le festival, c'est un beau festival. Il y a les commodités, tout ça. Tout est là, tu sais. Écoute, ils ont une belle équipe de bénévoles. Ils font attention aux gens. Puis l'aréna, c'est super, c'est grand. Puis il y a les gens de l'espace, ça respire. Puis il y a des bons artistes, surtout. Il y a une bonne orchestre. C'est un festival qui est tout récent, qui est neuf. C'est notre 4e édition. Puis c'est le plus beau. Puis c'est les autres qui sont les plus fins. Si c'est pas le meilleur, c'est pas loin comme festival, vraiment. Puis c'est une belle, très belle ambiance. Les gens ici sont chaleureux. C'est vraiment une famille. Et plus ça va, plus ça grandit. La famille s'agrandit. C'est vraiment formidable. Accroche ta tuque avec de la broche, parce qu'à Montmagny, on va dire que ça décroche. Qu'est-ce que vous attendez pour venir faire votre tour au Festival de Montmagny? C'est ici que ça se passe. Il y a de la belle relève, il y en a pour tous les goûts, et ben, on pourrait se connaître, prendre un petit verre ensemble, avoir du plaisir et danser le country! Viens à Montmagny, puis sans hésitation, tu vas vraiment avoir du plaisir fou, là. Vous pouvez pas manquer ce beau festival-là. En plus, il y a un beau paysage. Puis en plus, c'est deux belles filles qui sont présidentes. Ça fait qu'on est correct avec ça.